Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cette humaine. Aucun danger pour le gardien. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. C'était un bon pressing. Vigo est tout simplement la pire défense du championnat. C'est triste à dire. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il relance côté droit. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ils obtiennent la touche. Le ballon sort en touche. Une nouvelle touche pour eux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Corrigez-moi si je me trompe, Darren, mais je crois pas qu'une équipe ait déjà gagné tous ses matchs à l'extérieur dans une saison. Alors là, vous me posez une colle. Ce qui est sûr, c'est que ça serait un véritable exploit. C'est une interception parfaite. Corner, dit l'arbitre. Premier corner dans cette rencontre. Danger repoussé pour le moment. Toni Kroos, bien servi sur le côté. Ça fait du bien. Pris au piège du hors-jeu. Pas facile à juger quand même. Le long dégagement du gardien. Le jeu repart vers la droite. Vigo adopte une tactique qui est ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, quoi. Forcément. Oh, voici Bale. Quelle fait du bien cette interception. C'était une bonne intervention. Il joue dans l'espace. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Voilà une belle occasion du contre pour trouver la faille dans la défense. Le bon dribble, le Dupé. Un sentiment sur ce but. Il était trop fort pour le gardien sur ce coup-là. Bien vu. Bien, ça fait 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Ça joue à gauche. Quelle passe. Le ballon dans la profondeur, par-dessus les défenseurs. C'est dégagé. Quelle reprise de volée. La défense s'en sort, là. Chapeau à la défense pour ce sauvetage sur la ligne. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Avec Lucas Vázquez. Et c'est la pause ici. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Madrid, qui est donc devant, a mis parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. La seconde période a donc déjà débuté. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Modric ne résiste pas au contact. Sergio Ramos. Madrid, qui s'est montré très prolifique lors de sa dernière sortie, grosse efficacité offensive. Lucas Vázquez, c'est bien donné. Il glisse le ballon en profondeur. Lucas Vázquez. Mais c'était bien, c'est l'homme.
mais c'est mieux quand c'est au fond. C'était bien vu, dommage, le geste n'est pas génial. Il est passé. Iago Aspas à droite. Il joue dans l'espace. Et c'est intercepté. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée, ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Changement, plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. La passe dans la profondeur, c'est bien fait ça. C'est une remise en jeu. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Bale qui compte donc un but dans ce match. Il écarte le jeu. La diagonale. Et ça ne passera pas. David Costas. Au tour du gardien de jouer. Le gardien loin devant. Bien joué, il va pouvoir repartir. Ce ballon bien dosé. Oh, très beau ballon. Parfaitement piqué. Il frappe. Ça aurait dû faire 2-0, ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. C'est arrêt de jeu pour effectuer un changement. Oui, il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Ça joue à gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. Isco relance côté droit. Il cherche la profondeur. Il va falloir qu'il se réveille, ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Bonne défense, encore une récupération de balle. Diaz. Il tente de la jouer dans l'espace. Bale, il a de l'espace. Centre à ras de terre. Ouf, un peu d'air. Oui, là il y avait clairement faute. Sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au. On every side.